Salut à toutes et tous, bienvenue pour une petite vidéo très rapide et spéciale, c'est pour le level 60. Parce que vous êtes peut-être pas encore 60 ou tout juste level 60 et vous n'avez pas le e-level pour faire les donjons experts, hein, donc comment faire? Alors déjà quand vous êtes level 60, on va débloquer ce qu'il y a à débloquer. Pour Alexander, c'est Slowfix, vous pouvez faire dès le début, c'est des ennuis mécaniques je crois, ça s'appelle la quête et vous allez voir, un petit cheminement à faire. Pour Nalonk, c'est Sanu Vanu dans l'écume des cieux d'Abalacia. Il est à côté du chef, hein, donc vous pouvez le trouver facilement à Okezundu, si je me souviens bien. Et pour le Continuum Fractal, il va falloir vous rendre à Ishgard. À côté du collège d'astromancie, en dessous, il y a l'aérodrome. Et il faudra aller trouver notre Elchant, qui vous enverra voir Wedge, si je me souviens bien, à Azizla. Il est à côté du labo, tout en hauteur. Donc ça, c'est pour les donjons. Si vous n'avez pas le stuff, il faudra aller à Azizla, justement, sur le module, dès l'entrée, en fait, hein, juste après les terrides, ce module-là va vous dropper, enfin, va vous dropper, non, va vous vendre, moyennant quelques giles, tout un set, il est vol 150. Vous aurez tout le set, sauf, malheureusement, les bijoux. Pour les bijoux, plusieurs possibilités. Vous pouvez les acheter à l'HV, mais ça coûte très cher. Ou, si vous avez déjà quelques juridiques, les échanger à Idile, à Ismena. C'est 215, ça se drop facilement. Hein. Franchement, ça se drop super vite. Vous avez les missions quotidiennes, alors pas la expert, parce que vous ne l'aurez pas encore. Bon, je les avais fait, moi, sur la vidéo, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Mais le bas level rapporte, par exemple. Le défi rapporte. Et il y a aussi, bien sûr, le laboratoire de magismologie, auquel vous aurez accès, bien sûr, qui rapporte quand même 100 mémos, donc ça c'est plutôt cool. Et la grande bibliothèque de Gubal ne rapporte pas de mémo quartz, mais elle permet de dropper du e-level 148, ça peut être utile notamment sur les bijoux. On n'oublie pas, bien sûr, le nouveau PVP qui est sympa et qui rapporte beaucoup. Voilà, bonne chance!